Et la famille, dans cette vidéo, il y a une revenante, elle va revenir là. Vous allez voir, on va refaire un défi comme à l'ancienne. Et ça fait longtemps que je vous ai pas fait ça. Ça va être une dinguerie. Yo la famille, c'est Lankenov2. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, nouvelle vidéo avec un spécimen rare, la famille. Elle est là. Salut! Elle est de retour tout simplement pour les vidéos, la famille. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec ma nièce, etc. Maximum de likes, tu veux qu'ils mettent combien de likes? Vas-y, 70 000 likes. Vas-y, elle a cru trop, je m'appelais Michou Inoxtac. Non, on vise les 2000 likes pour cette vidéo. Je pense que vous êtes largement capable, la famille. Du coup, là, dans cette vidéo, on va faire un défi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de défi. On va voir si t'es encore forte, si tu vas me gagner comme les derniers défis, etc. Donc, en gros, on aura chacun 2 minutes de nourriture. Genre, ça peut être des tacos, des pizzas, etc. Enfin, vous allez voir de toute façon ce qu'on va déballer. Là, en l'occurrence, ça va être un grec, mais c'est un tacos gratiné. Et le premier qui termine, bah, ça bouffe, l'a gagné tout simplement. Donc là, on a reçu les sacs, les amis. On va les déballer en direct. C'est parti, c'est maintenant. Elle a fait son retour comme Benzema. Oh non, je rigole. Non, en vrai de vrai, là, la famille, du coup, tu vas déballer ton menu. Vas-y. Donc là, c'est ça que tu dois terminer, toi, dans cette vidéo. Donc, allez, ouvre ça. Donc, ça, c'est quoi? Vas-y, montre-nous. Ça, c'est le taco, ce que tu devras terminer dans cette vidéo le plus rapidement possible. Ah, t'as vu, je t'ai pas pris un gros taco, ça. J'ai pas fait le gamin. Présente-leur ce qu'il y a dedans. Présente-leur ce qu'il y a dedans. Alors, là, il y a quoi? C'est des lardons et de la raclette et tender. Sauce barbecue. Et il y a des frites là, c'est de la raclette ça. Ah bon, c'est de la raclette avec des lardons, voilà. Après on a des autres trucs, mais ça c'est pour l'échauffement. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Donc ça c'est pour l'échauffement. En gros, tacos, ils ont fait des nouveaux trucs. On a pris ça juste pour tester en plus de la vidéo. Ouais. En gros, c'est des espèces de nuggets au fromage hot. En gros, c'est des nuggets fromage ultra épicé. Donc c'est des nouveautés au tacos, hein, ça s'appelle comme ça. Donc, ça se voit, c'est épicé parce que c'est rouge. Hein. Ouais, ça se voit. Donc regarde, ça s'appelle cheesy nuggets. Donc des nuggets épicés au fromage. Après, voilà, mais ça c'est pas dans le défi, ça c'est en plus pour toi parce que je sais que tu consommes plus qu'une AMG A45, c'est pour ça. Et après, montre-leur ce qui reste dans le sac, vite fait. Donc, elle vous déballe le truc qu'elle va faire dans la vidéo, le truc qu'elle va manger, quoi, vous avez compris? De la sauce. La sauce et de l'oasis, la base. Ouais, l'oasis, la base. Ta meilleure boisson, ça. Ouais. T'as vu, hein, pour ton défi, je t'ai mis bien, je t'ai mis dans des bonnes conditions. Je t'ai pris un petit taco avec un oasis pomme cassis framboise, l'un des meilleurs oasis. Et maintenant, c'est à moi de déballer mon truc qui est juste là. Donc, moi, c'est un grec, vous allez voir, c'est un grec, l'un des meilleurs du 9-4. Il est incroyable, normalement, c'est parti, je vais le déballer. Donc, on va déballer ma bouffe maintenant, comme je vous l'ai dit, donc c'est parti. Alors, moi aussi, je me suis pris un tiramisu. Parce que voilà, elle, je lui ai acheté un tiramisu, moi aussi. Ça, c'est après le défi, t'as vu, pour se réconforter, pour se dire, voilà, même si j'ai perdu, au moins, j'ai droit à un tiramisu à la fin. Normalement, je vais pas perdre, hein, vous inquiétez pas. On a la boîte du kebab. Enfin, la boîte du kebab, je suis en ouf. Je pense pas que c'est le kebab. Ça, c'est quoi? En gros, j'ai pris une pizza turque. C'est pour essayer aussi. Hein. Donc, c'est des pizzas que font les Turcs. Donc, voilà. Il y a de la viande hachée dessus. Ça a l'air incroyable. Ouais, et c'était pour tester en plus du kebab. Mais moi, je vais vous montrer le kebab. Donc, le kebab, c'est ça que je devrais terminer le plus rapidement possible dans cette vidéo. Dans les frites, bien évidemment. Donc, regardez. Oh, il est beau, mon kebab. Hein. Ah ouais, là, il est magnifique avec les frites. Ça, c'est pour l'échauffement, les frites. Mais voilà, mon kebab. Moi, je devrais terminer ça. Et elle, montre. Toi, tu dois terminer ça. Donc kebab vs tacos dans cette vidéo. Dites-nous dès maintenant dans l'espace commentaire qui va gagner. Pour ma nièce, vous écrivez team tacos parce que elle mange le tacos. Et pour moi, vous écrivez team kebab parce que je mange le kebab. Donc voilà, dites-nous vous êtes pour quel team, plus les tacos ou plus les kebabs. Moi c'est kebab et elle c'est tacos. On va voir qui va terminer en premier. Donc là, on va s'installer tranquillement et on va réaliser le défi. Par contre, attends, il a boisson. Ah bon, mais ils m'ont pas mis de boisson. Moi c'est pas grave, je vais prendre de l'eau. Tu connais, c'est la rue où je vais chercher une boisson. Ah, et chez moi, il doit en avoir. Bon, du coup, la famille, on s'est installé pour réaliser le défi. Donc montre-leur ce que t'as, moi ce que j'ai. Donc voilà, on vous a montré déjà. Moi j'ai ce kebab là. Terminé, elle a ses tacos là gratiné à terminer. Il est très lourd. Il est lourd. Ouais, il est lourd. Même moi, mon kebab, il est super lourd. Il est chargé à blocs de viande, les gars. Regardez, avec du pain maison. En plus, moi, c'est l'un des meilleurs kebabs du 9-4. Et elle, c'est un tacos édition limitée, raclette, lardon avec tender dedans. Enfin, voilà, il est bien mastoc. Mais bon, avant de faire le défi, on va s'échauffer. Donc, on va goûter tout d'abord les nouvelles nuggets au tacos ultra piquant au fromage. On va voir. Pain. C'est quand même, ça pique un peu. Il y a du fromage de ouf. Mmh. Franchement, ça pique un petit peu, tu vois. Après, nous, on est tunisien, c'est pour ça. Mais c'est à vous, ça pique un petit peu, mais ça va. Ouais, mais franchement, c'est assez bon. En fait, ils ont mis du fromage cheddar dedans, dans une panure de nuggets un peu. Voilà, c'est des nuggets et puis c'est poulet quoi. C'est pas dégueulasse. Aussi la famille, bonne nouvelle. Moi j'avais pas pris de boisson. Eh ben j'en ai trouvé une chez moi. J'ai trouvé une boisson Chupa Chups. Donc de base Chupa Chups c'est une marque de pneus. Donc voilà, Chupa Chups goût fraise les amis. Et là on va terminer les échauffements avec les pizzas turques que j'ai commandé en plus de mon kebab. Donc voilà, ça c'est des pizzas turques. Hein. C'est de la viande hachée sur de la pâte. C'est pas mal hein. Franchement c'est pas mal. L'échauffement il se passe bien. J'espère que les plats principaux de tacos et le kebab sont aussi bons que ça. Donc allez, on prend les bêtes made in. C'est parti. Tu penses que tu vas gagner ou pas déjà? Je sais pas parce qu'il est lourd quand même. Bah, même moi il est lourd. Enfin bref, dites-nous team kebab pour moi, team tacos pour elle. Allez les amis, bismillah. 1, 2, 3, le premier qui termine, il a gagné, c'est parti.
Oh, mon kebab, il est trop bon. Il est bon ce tacos ? Ouais, mais on sent pas la raclette, bien sûr. Ouais, parce que le gratin, il est pas très bien fait. Pour l'instant, ma nièce, elle aime bien, mais elle sent pas trop la raclette. Moi, j'ai senti déjà que la viande de kebab. Oh, on sent bien la sauce de barbecue, là. Ah ouais ? En tout cas, pour l'instant, les deux plats sont bons. T'aimes bien ? Moi, je kiffe. En plus, on n'a rien mangé. Donc, vraiment, ça va être un défi. Je pense que c'est rare, égalité presque, parce que là, on a super faim tous les deux. Et je vais taper un autre croc, là, vous allez voir. C'est sûr, il va gagner les kebabs, c'est largement plus facile que du tapas. Ouais. Durant les autres défis, t'avais un truc trop facile, toi aussi. Voilà, ça a l'air. Pour l'instant, je crois que c'est moi qui gagne. Hein. Regarde, moi, je suis déjà la moitié de mon kebab. T'as mis trois sauces. Dans ton tacos Ouais, il y a pas mal de sauces dedans. Il ressent bien. Ouais. Tu te donnerais une note de combien pour ton petit tacos là? Allez, une note de 8 sur 10. Ouais. Ouais, franchement, le kebab, un petit 9 sur 10 parce qu'il est bien bon, il est bien savoureux, le pain, tout est bon en fait dedans. Bon, allez, petite pause boisson, les amis, on va se rafraîchir en même temps. Vas-y, tu veux manger? Vas-y, continue à manger, vas-y. Elle veut faire la stratégie pendant que moi je bois, elle mange et tout. Je vais goûter mon petit chouette fraise, moi, les amis. C'est pas du chouette. Ouais, c'est choupa choup, c'est pas du chouette. Mais franchement, c'est pas mal. Après, choupa choup, ils sont meilleurs dans les pneus, je trouve. Allez, on va vite terminer ce défi là, je vais l'éclater. Après, le défi, il est serré un peu quand même. Le tacos, ouais, à l'intérieur, il est blindé, du coup, ça cale direct. Voilà. T'as des nuggets, t'as des frites. Enfin, t'as pas des nuggets, t'as des tenders, montre-leur. Regardez, elle est chargée de viande, son tacos, comme mon grec est chargé de viande. Bref, les deux plats, ils sont chargés au max. En plus, moi, j'ai même des frites. Allez, faut que je termine ça. Bref, tout ça. Non, bah, écoutez, elle, le dernier défi, c'est elle qui avait gagné, c'est parce qu'elle avait un truc tout petit, moi j'avais le truc gros. Du coup, là, on a pris un truc équitable à peu près. Et quand c'est équitable. Ça, là, il m'a éclaté. Ouais, quand c'est équitable, t'as vu comment je suis fort. Incroyable. Ah, il faut qu'il finisse ce qu'il y a dans la bouche, mais je crois que c'est mort pour moi. Allez. Parmi ça dans la bouche, j'ai gagné. Ah! Ah! Et j'ai avalé fort. Les gars, c'est une victoire pour moi. Enfin, depuis le temps que j'ai pas gagné, les gars. Donc, Maylin, il lui restait tout ça, les gars. Bon, après, c'est vrai qu'elle avait un gros truc bien balèze. Mais dans les derniers défis, comme je vous le dis, elle avait tout le temps une quantité vraiment minimale. J'ai l'avantagé de ouf. Là, je me suis dit, on va faire un truc égal. Et bah, quand c'est égal, je l'ai éclaté, les gars. Mais voilà, maximum de GG. Et ceux qui ont mis Team Kebab dans les commentaires, bah, vous avez trouvé le bon vainqueur. C'est bon, c'était Team Kebab qui gagnait. Bon, est-ce que t'as un mot à dire pour ta défaite quand même? GG pour Roissim, tout simplement. Tu me dis GG, donc là elle va goûter son tiramisu. Parce que je lui prends un tiramisu en plus. Hein. Et je me suis dit, je sais qu'elle va perdre, il faut que je la réconforte avec un tiramisu. C'est un tiramisu d'un caramel. Il est bon ou pas? Il est incroyable. Elle est en train de kiffer, même si elle a perdu, elle a kiffé, c'est le principal, les gars. Et regardez, hein, moi j'ai le tiramisu de luxe. Regardez comment il est beaucoup plus bleu gosse. Il y a la noix de coco? Non. Donc moi je vais goûter le mien aussi, les amis. Oh là là. Avec un petit coulis de Nutella. Donc le mien c'est Nutella spéculo. Tu m'as t'enfonce la cuillère. Déjà il y a toute la cuillère qui rentre. Et là je vais goûter, les gars. Oh, le mien est trop bon. Du bon Nutella. En vrai de vrai. T'aimes bien le tien? Moi j'aime bien le mien. Les desserts et les plats ils étaient bons. Et voilà la famille, c'est comme ça que cette vidéo se termine. Attendez les amis, regardez tout le caramel qu'il y a au fond. Vas-y, toi, qu'est-ce qui t'arrive? Je fais la fin de vidéo, elle me parle de caramel. T'as cru que c'était du pétrole à l'intérieur ou quoi? Non, plus sérieusement, la famille, du coup, bah, si vous avez kiffé cette vidéo avec ma nièce, mettez un petit like. On vise les 2000 likes sur sa vidéo pour le retour de ma nièce. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo avec elle. Donc, tu peux commenter aussi, partager, t'abonner à la chaîne, c'est pas encore fait. Et nous, on arrive à la fin de la vidéo en sachant qu'on a réalisé le défi et j'ai gagné. Voilà, voilà. On se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Il y a des très lourds qui arrivent comme d'habitude. Sur ce, ciao. Vas-y, tu leur dis salam. Salam, la famille.